super compliqué. Mais rien que d'être là, regarde tout ce qu'on a vu ce matin. Tout se réveille tout doucement après une nuit très froide. C'est magique. Quand tu dois revenir dans les Vosges et que tu dois avoir un peu des échos de l'actualité et de tout le théâtre de marionnettes des hommes, tu dois trouver ça à la fois absurde et effroyable quand même. Non, mais c'est sûr que les retours sont parfois un peu compliqués. Mais je le sais, hein, ça fait plus de 20 ans. Moi, c'est vraiment des respirations d'aller dans des endroits comme ça. C'est un peu une fuite finalement. Tu vas dans une nature où... qui n'a pas été bouleversé, qui n'a pas été, tu vois, où l'homme n'a encore pas vraiment mis une grosse, sa grosse griffe dessus, quoi. Autour de ma maison, c'est hallucinant, l'espace de 20 ans, comme on n'a aucunement respecté le vivant, quoi. Mais ne serait-ce qu'un bel arbre, un beau chêne qui trône autour d'un champ, les haies, et j'ai pu voir que tout s'est détérioré, quoi. Et ça, c'est assez viscéral, c'est assez étrange, hein, quand t'as grandi dans ce milieu-là, t'es tout gamin. T'as fait des affûts, t'as passé des temps, enfin des émotions fortes. Ça m'a construit. Et quand tu vois que ce monde-là part en vrille, c'est pas en vrille, comment tu dis, en décrépitude. En décrépitude. Et ben ça, c'est intérieur, ça te fait super mal. Et donc j'ai besoin, Kamchatka, le Grand Nord, là où il n'y a quasiment plus de présence humaine, ou alors des nomades, comme ici, qui vivent en harmonie finalement. C'est vraiment le mot que l'on n'a plus. Ce genre de paysage, tu crois pas? Ouais, je vois pas comment un artiste, un peintre par exemple, pourrait ne pas être sensible à ses formes et à la beauté des animaux. À la beauté parfaitement intégrée des animaux dans un paysage. Après, ce qu'on me reproche, c'est parfois de photographier vraiment ce qui est joli et d'occulter tout ce qui est moche, tout ce qui est laid. C'est vrai que j'ai pas vraiment une démarche de photojournaliste à montrer ce qui va pas dans la nature. C'est un vrai choix,
de creuser le désespoir ou de célébrer la beauté.